Donc, visite du VIP. Ah oui, c'est le jour J, il faut absolument qu'on récupère du sel. Faut pas que j'oublie ça. On retourne en plongée. Pif. Bon, bonjour. Pif, paf, pouf. Ouais, non, il faut qu'on récupère du sel. Il faut qu'on trouve du sel. Si on trouve pas de sel, on est dans le caca. Attends. Je tourne un peu ça. Si on trouve pas de sel, on est un peu en galère pour le mec. Donc, objectif, trouver du sel aussi. Ça doit, en général, le sel, c'est dans les coffres jaunes. Donc, on va faire attention. Ouais, c'est pour le VIP, là. On a absolument besoin de ça pour lui. Urgent, urgent, urgent. Et bonjour à ceux qui débarquent. Point de harpon, de choc. Ça, je suis preneur. Ouais, bon, après, si je récupère des trucs aussi pour les missions annexes, je suis pas contre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Après, peut-être que je récupère quand même quelques poissons. Voilà, les gros là. Ah, attends, il y a un truc là, c'est quoi ça? C'est une porte? C'est quoi ça? On dirait une espèce de porte. Alors attends. On a mangé du poisson ce midi, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Ah bah écoute, les refs. Voilà, voilà. Absolument, oui, il y aura les épisodes sur MBTV. Ça doit être le 5e épisode à peu près, celui-ci. À peu près, je suppose. Je sais pas. Vu qu'il y a le Let's Play de Paper Mario en même temps, je sais pas où on en est. Je sais pas, je regarde pas, je découperai. Je verrai. Je verrai bien. Bah, en fait, je voudrais au moins aller... je veux absolument qu'on retourne jusqu'au DLC, là, de Godzilla. Absolument. Harpon de choc niveau 1, donc non, j'en ai déjà. Absolument. C'est ce qui m'intéresse. Oui. Oh là, du premier coup, celui-là. Boum. Ah, le DLC de Godzilla, c'est, je vous ai dit, c'est au chapitre 5. On n'y sera pas tout de suite. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, ça nous fait rejouer au jeu tranquillou et prendre notre temps et passer des bons moments en stream comme d'hab. Donc ça fait du bien. Et puis voilà. Et coucou à ceux qui débarquent sur le stream. Coucou. N'hésitez pas, si vous regardez les rediffusions d'ailleurs, à venir sur les streams, évidemment. Edouard-EMB sur. Pop-up. Sur Twitch comme d'hab. Attends, je suis mal placé. Ouah. Attends, il va charger. Voilà. Boum. Ah, punaise. Attends. Déjà, on va faire ça. Voilà. Ensuite, on rechange. Ah, punaise. Ouah. Oh, je l'ai eu. Non. Attends. Aïe. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, par contre, j'ai perdu masse d'oxygène aussi. Bon, 2,5 kg. J'ai chopé la tête et chopé du corps, donc on connaît bien. Question bizarre mais bon. Alors déjà, quand tu commences comme ça, j'ai hâte de lire. Alors attends, bouge pas. Attends, je vais retourner. Ah, j'ai hâte de lire. Attends, j'ai très très hâte. Je vais être obligé... Attends. Je vais prendre le risque. Je vais prendre un risque. En espérant trouver de l'oxygène. Ok, je prends un gros risque. Au pire, je remonte. Attends deux secondes, je lis ton message après, bouge pas. Oh, c'est risqué ce que je fais. Quoique ça va. Fils, on s'en fiche. Oh, j'ai hâte. Ouais, il y a le sel à choper aussi. J'ai hâte de lire la question. J'ai hâte. Punaise. Oh, j'ai toujours pas de sel. Les munitions, c'est très bien, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Après, ça va, l'oxygène baisse moins vite vu qu'on a les, on a le bracelet là. Ouah, wow, ça c'est une très mauvaise idée ça. Ok, il y en a là. Parfait. Oh là là, incroyable. Alors, voyons voir cette question. J'avais hâte de la lire. Attends, bouge pas. Je le claque lui. Alors. Attends. Depuis tant d'années dans le jeu vidéo et après avoir joué à autant de jeux. Oui. Es-tu toujours surpris par les jeux? Ah oui. Ne trouves-tu pas la langue que les jeux se ressemblent dans le gameplay, une sorte de lassitude? Ah bah alors ça m'étonnerait vu que je fais énormément de jeux indépendants, et c'est pour ça que j'aime autant les jeux indépendants,
ça me permet justement de ne pas être lassé. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand je teste des jeux AAA ces derniers temps, il y a effectivement, il y a de temps en temps ce côté « Ouais, bon bah voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, etc. » Genre par exemple, tu vois, genre le dernier God of War, qui est sorti, comme j'avais dit, je dis bah en termes de gameplay, pour moi c'est pas le meilleur. En termes de narration, oui, je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits ces dernières années sur la narration, sur l'écriture, les jeux sont bien plus écrits, ils sont bien mieux présentés, etc. Par contre, en termes de gameplay pur, sur les jeux AAA, on sent qu'ils ont un cahier des charges monstrueux qui, au final, fait que bah, les gameplays tendent à se ressembler. Des fois, certains gameplays sont un peu trop lourds. Tu vois, genre par exemple, un jeu que j'ai trouvé génial en termes de narration et de lore et de monde, ça a été par exemple... enfin, ne fais pas me faire des amis, mais je suis pas là pour ça. Red Dead Redemption 2. Le jeu était incroyable, le gameplay était incroyable, mais paradoxalement, du coup, en fait, le problème aussi de, Red Dead Redemption 2, c'est qu'en termes de gameplay, il y a trop de lourdeur, tu vois ce que je veux dire? Et qui fait que finalement, bah, en termes d'expérience de joueur, bah, il y a des fois, je me sentais un petit peu en décalage avec ce que je voulais, ce que j'aime vraiment. Donc, attends, je vais essayer de le revoir, non, vas-y, viens. Je l'ai pas eu. Ah, punaise, il m'a chopé. Donc, pour avoir justement eh bien, ce côté, garder ce côté, j'aime faire des découvertes, j'aime... Ah, vache. Et je souhaite encore une fois continuer à être surpris. C'est aussi pour ça que bah, j'aime autant le jeu indépendant et que je continue à jouer autant au jeu indépendant parce que il y a justement, je vais mourir, il faut que je trouve absolument du truc. J'aime ce côté où il y a toujours quelque chose de novateur, quelque chose de différent qui apporte cette touche que moi je cherche dans le jeu vidéo au quotidien, qui est quelque chose de différents. Voilà, tu vois, regarde, je joue à un Death the Diver, je joue après un jeu de Survivor, je joue à un roguelike. C'est aussi pour ça que j'aime autant les roguelikes, c'est que dans les roguelikes, je trouve qu'il y a quelque chose de toujours nouveau, quand bien même... C'est de l'oxygène? Ouais, attends. Oh punaise, je vais me faire avoir, je vais mourir. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est un peu ça, problématique. C'est pas grave, je vais garder à ce moment-là... Tu vois, dans tous les Survivor et Roguelike que j'ai pu faire, il y a toujours quelque chose de différent, de nouveau, et c'est ça que j'aime. Ah oui, rang 4. Ah, et rang 6. Je vais garder cette viande-là, tant pis. Donc, je ne suis pas assez concentré, c'est pas grave. Donc voilà, moi c'est pour ça que je joue autant aux jeux indés et que j'aime autant vous présenter des jeux indépendants pour justement cette originalité. Donc cette question était très intéressante, je te remercie beaucoup, parce que ça permet aussi d'aborder ce sujet qui est très peu abordé par les chaînes très mainstream. Tu vois, alors ce que j'appelle les chaînes très mainstream, c'est des chaînes qui vont... C'est pas négatif en même temps un petit peu. Tu sais, le côté, on va te parler que des jeux AAA ou que des jeux qui ont une grosse com ou que des machins qui font absolument cliquer parce que justement, c'est ce qui fait cliquer, tu vois. Genre, quand je propose des jeux indépendants sur la chaîne, et j'en propose 3, 4 ou 5 par semaine en termes de découverte, honnêtement, c'est les vidéos qui font le moins de vues. Mais c'est tellement ce qui est le plus original dans l'univers du jeu vidéo et tellement ce dont on a besoin en tant que joueur, je trouve, c'est mon opinion très personnelle, que ben, je continue à le faire. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, pourquoi tu proposes des jeux indépendants? Ça fait pas de vues sur ta chaîne. » Alors déjà, réfléchir comme ça, c'est très problématique. Et pour moi, parce que tu vois, même si il y a ne serait-ce que 1000 personnes, et en général, les jeux indépendants, ça fait 3-4 000 vues, un truc comme ça, je crois. Même si ce n'est que, entre guillemets, 3-4 000 personnes, enfin déjà, non. Je vais prendre la façon de raisonner de ces autres personnes très mainstream. Même si ça ne fait que 3 ou 4 000 vues, ce sont 3 ou 4 000 personnes qui découvrent le jeu indépendant en question, tu vois. Donc pour moi, il n'est pas question de se dire « Oui, si ça fait moins de vues, c'est pas bien, etc. » machin. Comme je vois passer des tweets absolument affreux en mode « Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec YouTube en ce moment? Pourquoi ça fonctionne pas ?» machin. Avec la personne qui partage ses tweets ou ses vidéos font 60 ou 70 000 vues tous les deux jours. Excuse-moi, mais bon, il y a un moment, t'as oublié ce que c'est Internet, 70 000 personnes tous les deux jours qui regardent tes vidéos. En fait, je pense que j'en parlais, ça m'arrive d'en parler de temps en temps, mais en fait, le problème de ces créateurs de contenu, c'est qu'ils se déconnectent totalement de ce qu'est
une vue. Tu vois, genre une vue, c'est une personne. Tu vois, genre vraiment, c'est pas un petit 1 sur un écran qui s'affiche comme ça de manière intempestive. Non. Et c'est pareil pour les streams. Regarde, ça peut arriver qu'on soit entre 50 et 150 régulièrement, comme on a déjà été 1200 ou 2000. C'est pas juste un chiffre qui s'affiche là. C'est vous êtes là actuellement, vous êtes un peu plus d'une quarantaine sur le stream. Et vous êtes tous traités de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce problème aussi. Non, il y a ce problème aussi sur Internet de considérer en fait les gens comme des chiffres ou des chiffres, non, des gens comme des chiffres, et surtout de ne plus aller chercher plus loin. Voilà. Et moi, c'est un gros problème que j'ai déjà souvent mis en exergue. Et voilà. Bref. Et c'est ce qui fait que du coup, je continuerai toujours à partager du jeu indépendant parce qu'on est dans quelque chose dont cet univers a besoin. Voilà, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de différent, quelque chose d'important. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous avez sur ma chaîne des interviews de développeurs indépendants aussi, etc., etc. Et que je continuerai d'en faire autant que faire se peut. Voilà. Si j'ai la chance de pouvoir en faire, d'ailleurs. Mais voilà. Mais encore une fois... C'est ma façon de voir les choses. Voilà. Les gens qui sont très 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 attachés à leurs statistiques, moi je trouve ça problématique. Mais ce n'est que mon opinion, encore une fois. Voilà. Ça après, c'est personnel. Voilà. Après, oui, évidemment, t'as le côté, oui, il faut faire des vues pour vivre, pour ceux qui vivent de leurs vidéos, etc. Oui, moi aussi, je vis de mes vidéos, tu vois. Moi aussi, je vis de mes vidéos. Bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs chaînes, comme je le disais, d'avoir plusieurs chaînes avec plusieurs types de contenus, etc. Mais ça n'empêche que je suis pas attaché à mes chiffres comme un plongeur est accroché à sa bouteille d'oxygène. Je suis content de ma comparaison, pour le coup. Voilà. Bon, il y a une bouteille d'oxygène ici, donc on le note. Important pour après. J'ai une petite question sur ma PS5. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Quelle est-elle? Pose-moi ta question. Bonjour. On cherchait du sel. C'est ça qu'il nous faut. Est-ce que j'ai encore besoin de ça ou pas? Ah bah alors pour trouver du sel, bon courage mon coco. Ah c'est bien ça. On peut avoir une mise à jour sur un jeu au lancement d'un jeu. Oui, alors que d'habitude c'est automatique en allumant d'un coup. Alors attends. On peut avoir une mise à jour d'un jeu sur PS5 au lancement d'un jeu, alors que d'habitude c'est automatique en allumant la console. Bah oui. En fait, ça dépend des jeux, ça dépend de comment ça a été paramétré, oui. Bah ça dépend de plein de choses. Oui, bah c'est pas... oui. Bah c'est même régulier, hein. Bah ça dépend de tes paramètres, en vrai ça dépend de tes paramètres normalement, je crois. Ah, j'ai plus d'oxygène, faut que je remonte un peu. Alors, attends. Je suis déçu de TOTK, j'ai mis un an à lancer le jeu tellement j'adorais Breath of the Wild. Attends deux secondes, je te lis après, je veux juste réussir à aller chercher l'oxygène. J'espère que je vais réussir, j'espère que je vais réussir. Oh punaise. L'oxygène était pas loin en plus. Tears of the Kingdom, moi j'y ai joué 3 mois. Et puis après, comme vous l'avez vu, je l'ai laissé de côté pendant 3 autres mois et je l'ai terminé après. Donc je comprends le sentiment. Je comprends. Moi j'ai préféré le faire en plusieurs fois. Parce que le faire en une fois, je me sentais pas, tu vois. Voilà. Ouais, je comprends. Bon, il faut absolument que... c'est la dernière plongée. Il faut absolument que je trouve du sel. Parce que si j'ai pas de sel... je vais pas pouvoir nourrir le mec. C'est hyper important. Bon, ça c'est bien déjà. Absolument que je trouve du sel. On est encore au chapitre 1, je crois, d'ailleurs.
Mais on avance tranquillou. Pas besoin de se presser. Bref, voilà la réponse que je souhaitais apporter à... Oh, je l'ai pas lui. À cette fameuse question. Voilà. Mais moi, j'essaye de m'éloigner au maximum des gens qui sont ultra focus sur leurs chiffres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je trouve que c'est un enfer. Et c'est pareil en termes de discussion, tu sais, quand tu fais des événements presse ou des machins ou des trucs, les gens qui sont tellement focus sur leurs chiffres, qui parlent que de ça, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Est-ce qu'il y aura du Paper Mario aujourd'hui en stream? Oui, c'est fortement probable. Oui. Hop là. Ah, j'ai plus de place. Il me fallait du sel en plus. En fait, je porte trop de choses. Mais si je retourne au bateau, là, ça me termine la journée. Bon, ça, c'est très bien. Allez, on va se déplacer avec ça. Ah, je suis vraiment trop trop loin. Attends, peut-être là. Oh, avec de la chance, on a du sel. Par pitié qu'il y ait du sel là-dedans. Croisez les doigts pour moi. Oh, punaise, c'est pas du sel! Je le prends pas, je le prends pas. Oh, je suis beaucoup trop lourd. Oh punaise, je peux même pas l'attraper lui. Bon bah, tant pis sinon. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Attends, les... Ouais, tant pis. Tant pis pour le VIP. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas trop le choix. Hein. Ou alors je peux essayer de replonger vite fait. Ouais, j'ai un peu abusé en termes de poids là. Bah, je suis tombé sur des gros poiscailles aussi. Et je veux pas les laisser passer. Ah, je pourrais pas. Bah, tant pis pour le. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis pour le mec. Tant pis. J'aurai pas le défi de Vincent le gourmet. Il reviendra, il reviendra. Voilà. Tu vois, nous allons devoir changer le programme. Eh, évidemment. Eh bah tant pis! Voilà. Je déteste les gens qui ont des exigences. Casse-toi. Non mais oh! Ça va 5 minutes? Ça va? Bon. Non mais... Bon, par contre, il nous faut masse d'argent. Absolument, faut qu'on se fasse de l'argent pour pouvoir recruter quelqu'un en plus. Ah tiens, vas-y, viens là. Oh, c'est bien ça. Oh, j'en ai beaucoup en plus. Je vais en mettre 10. On va faire attention à ce qu'on fait quand même. Ah, ça devrait suffire. Bon, tu sais quoi, je vais mettre un petit peu de poiscaille comme ça. Juste par acquis de conscience. Et on y va. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On attend les premiers clients. Il commence à y avoir du monde en plus. Hein. Ouah, il y a tellement de monde qui arrive en même temps. Allez, vas-y. Pour accéder au DLC, c'est à la fin du chapitre 5. On n'est pas rendu là. Ouah, il y a tellement de monde. Ok, j'amène tout au bout. En vrai, là, on est bien, là, regarde. L'argent monte bien. Le service se passe super bien. Merci Naiko. 33e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, je vais le laisser s'en occuper, je vais nettoyer à ce moment-là. Vas-y. Allez, vas-y, continue. Il y a tellement de monde à la boutique, c'est génial. Trop bien, le resto tourne à pleine balle. On aime ça. Voilà, j'aime quand le restaurant fonctionne comme ça. Attends, il n'y a plus de wasabi. Vite, vite. Voilà, on est bon pour le wasabi. Hop là. Quel plaisir de voir le resto qui tourne comme ça. Et je crois qu'on aura assez pour recruter le mec, non? Ouais, je revendrai peut-être un ou deux trucs. Nickel. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est du service, messieurs, dames. Ça, c'est du service.
Ah, c'est même pas notre meilleur, hein, tu vois. C'est pas notre meilleur service, mais on a bien géré, je trouve. Pam, pam, pam. Alors, voyons voir. On fera ça. Donc, téléphone. Oui, email. Fête de la demi-lune des méduses. Oui, il nous faut des, il faut qu'on prenne, il faut récupérer, on récupère des méduses alors. Allez. Ouais, les clients spéciaux arrivent dans 2 jours. Est-ce que... Ah, j'hésite. J'hésite à acheter le plus grand coffre, mais 1300, c'est énorme. Pff, non, allez, vas-y, on y va comme ça. Tant pis. Ok, J-3 pour l'event des méduses. Ça va aller. Désolé, désolé, il y a eu une petite coupure. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une petite coupure. J'étais en train de dire que je pensais que des épisodes d'une demi-heure, ça pouvait être pas mal. Je sais pas comment ça se passera au niveau de la découpe. Au niveau de la découpe après, puisque du coup j'ai tout enregistré, on verra bien. Mais je pense que voilà, une demi-heure d'épisode, c'est bien. Et ouais, non, désolé pour la coupure, hein, vraiment. Je sais pas. Je sais pas, il s'est passé un truc. L'ordinateur a dit non. Non, ça suffit de pêcher des poissons maintenant. Voilà. Donc attends, je réponds à la question, bouge pas. Donc tu me disais, pour les mises à jour des jeux PS5, faut que j'aille voir dans mes paramètres de la console si c'est en auto. Oui, notamment. Après, il faut que tu penses, si jamais tu laisses en auto, il faut que tu penses à laisser ta machine en veille, du coup. Ça, si tu laisses pas ta machine en veille, du coup, t'auras pas de mise à jour. En auto. Ça, après, ça dépend de ce que tu veux faire avec ta console. Libre à toi. Voilà. Donc. Donc ce qui m'intéresserait, ça serait de... Bon du coup le sel on s'en fiche. Je sais plus ce que j'avais à faire du coup en objectif en particulier, juste pêcher. Ah si, il fallait que j'aille dans le bateau. On va peut-être le faire. Pointe de harpon empoisonné. Oui, tiens regarde, lui là. Boum. Ah sympa ça. Ah j'aime bien ce mécanisme là. Re... Re. Ou je sais pas, il y a eu une petite coupure. C'est pas bien grave. Rien de bien grave. Rien n'est grave. Tout se règle. Choper une fiole. Ok, je l'ai empoisonné de toute façon. C'est une orange ou une rouge? C'est une rouge. Ok, une bouteille d'oxygène de l'autre côté. Ah oui, faut que je pêche les méduses, absolument. C'est ça que je disais tout à l'heure. Absolument. Attends, toi. Ok, il y en a un pas beau en dessous. Ok, alors. Vas-y, je l'empoisonne. Je l'éloigne. Ah, ça devrait le faire. Oh, je vais réussir à le capturer d'un coup, tu déconnes. Tu déconnes! Incroyable, je pensais pas pouvoir y arriver là. Ah oui, d'accord, pas tous. Tu déconnes. L'autre, j'y arrive, mais pas celui-là. Sérieusement? Ah, c'est peut-être pour ça que mon ordinateur n'a pas voulu, attendez. Je sais pourquoi en fait. C'est normal que vous ayez plus la musique du jeu, je sais pourquoi. Je pense que c'est pour cette raison-là. Ça va faire un petit bruit. Pas de mon côté, du coup, vous l'entendrez pas. Toutes ces épaves là. Allez. Il veut pas, hein? T'as irrésistant celui-là. Bon, attends. Bon, attends, déjà je récupère ça. Je vais te chercher après mon coco. Ok. Je récupère ça. Je vais récupérer directement l'oxygène tant qu'on y est. J'y suis, donc autant le prendre. Hop là, ça c'est bon. Oula, dis donc, pourquoi t'es pas rentré là? Ah quand même. Ah ouais? Ah c'est dans l'autre sens du coup. Ah c'est un sens, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ok. Hop là. Hop là. Attends, je le chopperais bien quand même lui. Hop là. Alors mon coco, viens voir papa.
Ah, c'est des beaux poissons quand même, hein, que tu chopes, hein. Alors. Ah ouais, choc. Je prends le choc. Je prends. Bon, on avait dit qu'il fallait qu'on aille au bateau aussi. Attends, il y avait le pas beau, il y avait le gros là aussi. Il est où? Bon, tant pis. Ah ouais, non, j'aime pas celui-là. Ah, j'aime pas ce mécanisme-là. J'aime pas ça. Et les méduses, et les méduses, et les méduses. Ouais, deux secondes. Il faut qu'on chope les méduses aussi. Pas qu'on oublie ça. Avec de la chance, j'aurais mieux. Ah, raquette de tennis. Je prends. Il y a de l'oxygène ici. Ça, je peux récupérer. Ok. Ouais, bon. Tant pis. Est-ce que je claquerai pas ça, à la limite? Ouais. Bon, attends, vas-y. Je chope cela et on y va. Ouais, 300 grammes. Hein. 300 grammes, cela. Allez. J'étais dedans. Ça va, j'ai oublié un petit morceau. Il y a un petit morceau qui a pas voulu apparemment. C'est bon. Ok. Je verrai un peu plus tard. Alors je voudrais terminer ça. Attends. Allez hop! Bam! Ah oui, je suis des gens sur. Bah attends, mais c'est un délire. Oh la vache, le gros babo! Oh, je l'avais pas vu. Oh, alors toi, mon coco. Oh, il me le faut, lui. Oh, il s'en fout totalement de moi, c'est un délire. Ah, je l'ai eu. Incroyable! Incroyable! Ouais, alors par contre, à ce moment-là, ce 300 grammes là, je vais les balancer. Enfin, allez, niveau 1, niveau 2, je balance. Ferraille aussi, le verre aussi, coquillage, je balance. Tiens, le cuivre, je balance, je balance, je balance. Voilà. Ouais, le fusil, espèce de fusil à pompe, ça reste mon truc préféré. Ouais. Ouais. Bon, par contre 63 kilos, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'aller au bateau tout de suite. On va remonter déjà avec ça, on reviendra. Parce que là j'ai quand même récupéré des trucs de fou. Donc voilà. Allez vas-y remonte. Ouais. Je redescends après, c'est pas grave. Ouais, je suis pas trop fan du sniper. Je préfère la pompe, tu vois. Être au contact. J'aime. J'aime le contact. Allez, vas-y, let's go. Allez, on la retourne. Allez, Dave. Bon. On va faire attention à ce qu'on récupère. Merci, Maud. 31e mois et au niveau 1. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi d'aider la chaîne. Ça me touche beaucoup. Harpa, voilà, très bien. Et 31e mois et 31e mois consécutif. En plus. En plus. En plus. Important à mentionner quand même. Aussi. Bâton de choc. Ah bah évidemment le bâton de choc. Ah bah oui mon gars. Regarde ça. Voilà. Très pratique. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop là.
C'est-à-dire qu'il va me trouver du sel, alors que c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Ah, ça me rassure. Le jeu se fout pas de ma tronche. Est-ce qu'on irait pas directement au bateau, en vrai? Ouais, non, je l'aime bien l'empoisonner, là. Ah, 8 kilos il fait celui-là quand même. Oh, c'est du beau bébé ça. Ça, c'est du beau bébé. Regarde ça, 8 kilos le poiscaille, hein, s'il te plaît. Hello. Ah, il est incroyable ce jeu. Viens ici, Bernard. Viens là. Il veut pas. L'extension Godzilla, ouais, bah justement, je l'ai recommencé sur PC pour aller jusqu'à l'extension Godzilla, ouais. Justement. Justement. Évidemment. Of course. Allez, viens là. Paf. Évidemment. Bon, pas que je ramasse trop de trucs, parce qu'après, je me connais. Tout ce qui traîne, je vais le ramasser. Ah, par contre, toi, tu m'intéresses, mon coquinou. En vrai, autant le... Attends. Autant le charger comme ça. Voilà. Ah et par contre, évidemment. Oh, il y en a un autre gros là-haut. C'est quoi ça là-haut? Non, ça va. Bon, il faut qu'on trouve de l'oxygène absolument. Ah si, c'est un pas. Ah si, si. Ah, c'est bon, je l'ai eu avant. Ok, c'est un petit barracuda. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Allez, vas-y, je prends le fusil sous-marin. Ah, je prends ça. Il nous faut de l'oxy, absolument. Oh, il y a encore le gros là-bas. Oh, mais j'ai tellement envie de le récupérer encore pour le resto. Dis-moi qu'il y a de l'oxygène à gauche, là, je t'en supplie. Oui, parfait. Oh, j'ai envie de le récupérer. Je pense que je vais le récupérer encore. Ouais, j'ai la petite bonbonne sur moi, mais je préfère faire ça là. J'ai envie d'aller récupérer le babo. Encore. Pour le resto, c'est bien parce que ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Je ferai le bateau à ce moment-là, la prochaine fois. Tant pis. Ah, j'ai la pire. Ah non, attends, avec tout ce que j'ai, il est hors de question que je me barre comme ça. Après, regarde-le, il est juste là, regarde. Ça, c'est du beau, ça. Ça, c'est du beau poisson, ça. Viens voir papa. Je suis un peu loin. Ah mais je ferai pas assez de dégâts. Je ferai pas assez de dégâts. Oh si. Si si, je serai sans doute trop lourd. Je vais peut-être larguer d'autres trucs. Mais je vais absolument le récupérer la viande, sa viande là. Parce que ça pèse 15 kilos, mais c'est pas grave, je vais me débarrasser de quelques petits trucs bidons, genre tu vois ça, 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 là, tous les petits trucs bidons. Et je vais absolument récupérer sa viande à lui. Tu vois, les poissons de rang niveau 1, là, ça, là. J'ai que des trucs qui pèsent super lourd, en fait, c'est pour ça. J'ai que des trucs de 7 ou 8 kilos. Ah, regarde, il fait 15 kilos, le bazar. S'il te plaît, dans requin tigre, j'ai pas une dans requin tigre, excellent. Ah forcément, 15 kilos le petit truc, t'imagines? Eh, au moins les clients vont être servis, enfin, je peux te dire que là... Bon, allez, on se fait une petite soirée au resto. On se fait une petite soirée au resto, et puis du coup, ça sera très certainement la fin de cet épisode, peut-être. Et après ça, on va dans le bateau. Ah, Vincent. Il revient. Vincent revient. Et toujours pas de sel. Mais Vincent revient. Ouais, enfin, j'augmente la capacité du sac. C'est pour ça que le but, ça va être de vendre un maximum de choses là ce soir. Parce que je vais recruter quelqu'un en fait, surtout. Là, regarde. On va recruter quelqu'un dans la zone de restauration. Et regarde, regarde ça là. 2300, 188 au service. Incroyable. Évidemment que je signe son contrat. Évidemment.
Par contre, j'ai plus de sous. Mais par contre, là, je pense qu'on va se faire bien plaisir. Donc, allez, au menu. Au menu, on a là, la viande de requin tigre. Je vais en mettre... Je vais en mettre 10. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai toujours peur de gaspiller. Tiens, regarde. 7. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va mettre 4 comme ça. Et... Ok, et on va terminer par ça là, celui-ci. Ça va être le mets spécial, celui-ci. Ok, allez, on est bon. Et normalement, j'ai 2 au service. Attends, on est d'accord, hein? Non, je l'ai pas mis. Oh là, j'ai failli oublier de le mettre. J'ai failli oublier de mettre El Niño. Allez, c'est parti. Ouverture du service, et là, je peux dire que ça va dépoter. Là, ça va dépoter. Ah oui, il y a moins de pression quand t'as une bonne équipe. Mais ouais, mais c'est ça un bon resto. C'est aussi ça un bon resto, regarde. On est là pour ça. Allez, va me servir ça. Pour l'instant, lui, il s'occupe pas des boissons, normalement, pour l'instant, lui. Mais il s'occupe... Ah oui, il va vachement vite. Incroyable. Oh là là, regarde la vitesse du gars. Par contre, c'est vrai que du coup, il manque du monde en cuisine. Ouais, je m'occupe du wasabi tranquillou, hein, regarde. Voilà. Nous, on s'occupe du wasabi, je les laisse servir. Allez, vas-y, 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 vas-y. Quelle merveille. Ça, c'est de la bonne équipe de restauration, regarde ça. Allez, faites-moi monter la thune. Et voilà, ça, c'est du vrai chef. Bon, je vais peut-être m'en occuper un peu quand même. Je vais les aider un peu quand même. Bon, et on va se servir de... C'était combien le sac? C'était pas 1500 le sac? Ah, je sais plus combien était le sac. Allez, moi je vais débarrasser. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Regarde ça, les clients sont tous heureux. Tout le monde est content, on a passé un niveau, regarde, on est à 109 sur 100 là-haut. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le restaurant parfait. Bon. Bon, en termes de bénéfices, par contre, on n'est pas fou. Ah oui, j'ai la paye des employés aussi. Il faut y penser, on a la paye des employés, qui coûte cher hein, quand même. Hein. Mais, par contre, ça dépote. Donc, il faudra vendre encore plus. Bah, celui à 2300, là, évidemment. Ok, bon, là, il faut qu'on récupère du sel. Absolument. Question. J'en ai pas assez. Bon, je verrai. Allez, on va récupérer du sel. Ah, il coûte cher, quand même, hein, le petit cuistot. Enfin, le mec en salle, là. Mais limite, en fait, je pourrais peut-être le mettre tout seul. Faut que je vois, parce que du coup, les deux doivent me coûter cher. Ils doivent me coûter cher les deux en même temps. Faut que je vois. Alors déjà, ça faut que je récupère pour la mission. J'en suis là. 3 sur 5. 4 sur 5. Si, si, je peux vendre des trucs, mais pour l'instant, je vais éviter de vendre trop de choses. Bon, on va faire attention à ce qu'on récupère cette fois aussi. Donc, sauf si... Oh. Non, non. Sauf si on croise un giga poisson, on ne pêche pas. Parce que là, ce qu'on veut, c'est le sel. C'est difficile de pas pêcher les autres. Que c'est difficile. Et si on a le sel, on est bon. Oh, l'épée japonaise, incroyable. Ok. Allez, du sel. Dis-moi que c'est du sel tout de suite, là, vas-y. Ah oh là là, mais c'est incroyable. On va jamais en avoir. Je vais jamais en avoir. Ah, on ne pêche pas. Tiens, voilà, ça, voilà, ça c'est du beau poisson, par exemple. Ça, c'est du bien beau. Attends. Voilà, parfait.
Ça, c'est bien. Ça, c'est pour papa. Ça coûte cher à la revente. C'est très bien. Voilà. Donc, continuons. Je pense que si on trouve du sel, ce sera peut-être plutôt dans ces... dans ces profondeurs-là. Aïe. Hé ! Oh ! Tiens, voilà. T'apprendras. Ah, on avait les méduses aussi qu'il faut pêcher pour la mission. Enfin, pas qu'on oublie ça. Ouais, ça c'est important. Sympa ça, l'électricité comme ça entre les méduses. Ah, c'est trop bien! C'est super bien pensé! Je m'en souvenais pas de ça! Incroyable! Putain, mais il y a vraiment des trucs que j'oublie de fou. En même temps, ça fait combien de temps? C'était quand? Quelqu'un peut me dire de quand date ma vidéo Dave the Diver sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît? Allez, moi je dis que ça fait... Au moins un an et demi. Au moins. Alors avec 3-4 jeux indépendants supplémentaires par semaine, tu m'étonnes. Ouais, je pense. Ça fait quoi ça? Ça fait un an et demi qu'il est sorti, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. Alors par contre, pour trouver du sel... Attends, ça c'est la orange. Il nous en faut. 7 sur 10. Ok, j'ai de l'oxygène ici, donc c'est très bien. Grotte aux stalactites. Ouais, c'est pas là où je vais trouver du sel. Hein. Bon, par contre, j'ai des méduses. Ça, c'est important. Ça, c'est important, la méduse. Urgent, même. Urgent, urgent, urgent. 2023, décembre 2023 la vidéo que j'ai faite dessus? Sérieux? Ça s'est fait si peu de temps que ça? La vache! Sérieux? Ça me paraît bizarre. C'est pas une vidéo news plutôt? Le 13 décembre? Plutôt? Ou alors le temps ne passe pas pareil pour moi? Attends, la orange. T'as le sel, je sais pas où je vais le choper. Hein. Enfin, attends, ça faut que je peux pas. Non, attends, je peux pas choper du sel en bas. Ah, toi. Oh, toi. Tu me plais moyen, toi. Oh, vache. Ah, non, bah non, non, c'était la vidéo de gameplay que j'avais fait sur... Ah, oui, mais ça devait être la vidéo de gameplay sur le PC, je crois. Attends. Ça devait être sur le PC, la vidéo en décembre. Je sais plus. C'est une bonne question, tiens. Oula. Ah, il me semblait que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, tu vois. J'étais persuadé. Ah, j'étais persuadé que c'était même plus longtemps que ça. Bon, écoute, j'ai peut-être juste une mauvaise mémoire. Aussi, sinon. Ça paraît bizarre, mais bon. Je parle pour la mémoire. Alors ça, c'est la grotte. Alors, on va consommer l'oxygène. Oh là là, je vais jamais trouver le sel. Par contre, je suis déjà à 33 kilos. De toute façon, le sel, c'est pas aussi profondément que je vais le trouver. Non, non, bah... Non, non, mais c'est que ça remonte à décembre. Je me souvenais pas qu'on l'avait fait dans décembre. Alors, je sais pas si... Oula. Je sais pas si ça fait pareil pour vous. Je trouve que le mois de janvier... le mois de janvier 2023... 24, du coup, a duré une plombe. Je crois qu'on en avait déjà discuté, mais genre vraiment, je crois que c'est le mois qu'elle passait le plus lentement depuis des siècles pour moi. Depuis des siècles, bien sûr. Parce qu'évidemment, je vis depuis plusieurs siècles, évidemment. Et évidemment, hein, vous ne le saviez pas, mais voilà, j'ai à peu près 300 siècles. Hein. 300 siècles, rien que ça, tu vois. Rien que ça. Rien que ça. 300 siècles. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. C'est absolument parce que je suis un androïde que j'arrive à vous poster autant de vidéos sur autant de chaînes différentes tous les jours, absolument. Ça ou parce que j'ai un jumeau, l'un ou l'autre. À vous de décider. Voilà. J'ai fêté mon anniversaire, je me suis planté un couteau alors que j'ai pris, c'est vrai. Et comment ça va ce doigt en fait? Comment il va... Enfin cette absence de doigt du coup. Comment ça va?
Tu te sens un peu mieux? T'arrives à... Parce que tu savais pas si t'allais pouvoir récupérer quoi que ce soit. T'en es où? T'en es où de cette histoire, hein, d'ailleurs? Boirf, ouais, d'accord. Je vois. Je vois. Du coup, plutôt dwarf. Qui veut dire nain en anglais, dwarf, du coup. Je peux remonter par là? Ah, mais attends, il n'y a pas de sel en fait. Il y a zéro sel, mais c'est un délire. C'est un délire! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Il n'y a pas de sel! Il n'y a pas de sel? Enfin! Qu'est-ce que c'est que cette plongée de merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis déjà en surpoids aussi. Ouais, forcément. Forcément, forcément que je suis. Non, mais c'est un délire, il n'y a pas de sel. C'est un délire cette histoire. Dommage que je puisse pas en acheter. Bah écoute, un peu problématique quand même. Ah bah raté. Bah je pêche des poissons, hein, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai que ça à faire. Attends. Ça m'embête. J'ai trouvé un kiné en Italie. Ah ouais? Bon, c'est déjà une bonne chose. On va aller voir par là en espérant. Ouais, je vais tomber sur le bateau par là. Ah, oh là, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Ok, je ferme les yeux. La sauce soja. Bon. Donc le jeu ne veut vraiment pas m'aider. Le jeu ne veut vraiment pas m'aider. On sera sur un épisode un peu plus long que le précédent, c'est pas grave. On aura pris le temps d'essayer de trouver ce que le jeu ne veut pas nous donner, hein, n'est-ce pas? Un petit club de golf. Ah non! Quel enfer! Je vais me faire avoir encore. Non, c'est bon, j'ai réussi. Ok, on a réussi à passer. Aïe. Ok, j'ai une petite bouteille d'oxygène, je vais la prendre tout de suite. Bon, le bateau est là. J'espère trouver une petite marmite. Après, sinon, je fais le bateau. Écoute, je vais le faire. Au moins, ça sera fait et peut-être que... Au pire, il reviendra plus tard. Je sais pas combien de fois il va. Ouais, c'est très mauvaise idée d'y aller comme ça. Je sais très bien que... Bah oui, je sais bien. Je sais ce qu'il y a au fond. À moins que ce soit pas là tout de suite. Si, peut-être. Le truc, c'est que tant que j'ai pas fait le bateau, il va me garder la quête avec le bateau, donc... Et j'ai peur qu'il me fasse repopper la même chose à peu près, peu ou prou. Après,
après, je suis carrément en surpoids par rapport au truc. Et vu qu'il y a ça là, ça m'embête. Hein. Oups. Pa 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 pa. Allez, je me fais fou l'oxygène, c'est pas grave. Le truc c'est qu'en plus là je suis tellement mal parti. C'est peut-être un coup à chaque fois. Allez, on va lui mettre un coup dans l'œil. Je crois que ça doit être trois coups, je crois qu'il faut lui mettre. Allez, on fonce. Je suis en train de prendre des risques. Ah c'est bon, il me le compte pas de toute façon, c'est bon. Allez. Parfait. Pam 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 pam. Bah du coup on aura fait le bateau. Voilà, parfait. Bon. Ah, il vient de donner du sel. Alléluia. Heureusement que j'ai fait la mission. Parfait. Ok, parfait. Bon, on a récupéré le sel. Donc ça sera pour Vincent demain. Excellent. Ok, allez, on termine notre journée avec le service. Oh, ça m'arrange. Ça m'arrange cette histoire, ça m'arrange. Oui, quoi, attends. Oui. Ah, attends. Ah oui, là. Non. Non, c'est bon. Attends, quoi? Ah oui, appelez Brancho, je suis bête. Je suis bête. Hein? Bah non. Mais non! Mais ferme pas le restaurant! On voulait des sous! Non! Bon bah d'accord. C'est bon le calamar. Oh, les tentacules là, qu'est-ce que c'est bon? Moi j'adore ça. Petit tentacule grillé, pff, mais une merveille.
Bon. Message du TVR, hein, ça va être client. Exactement, les clients savent si tu es sincère et honnête, et psy, absolument. Et si tu ne l'es pas, un jour, ça se retourne contre toi. Enfin, on espère, le karma fera son office un jour. Le boss s'y cache, oui. On verra pour le village. Hop là. J'ai envie de rejouer à Dredge du coup. J'ai envie de rejouer à Dredge de fou. On fera ça après. Chin. Chin. Ouais. Et bah c'est ce qui va clôturer notre épisode à mon avis.